love is true. Alors, bonsoir. Dans cette vidéo, on va un peu parler de ma petite routine quand j'arrive au champ. Donc, il est important que si vous avez une exploitation, que vous ayez certaines routines qui vont vous aider à mieux surveiller votre exploitation agricole. Donc, actuellement, il est pratiquement, oui, disons 17h35. Et nous sommes en train de faire le tour du propriétaire, Bertrand et moi. Donc ici, il est question de vérifier les travaux qui avaient été donnés aux différents collaborateurs. Donc actuellement, si vous regardez derrière là, vous allez voir que la taille du maïs est quand même assez déjà avancée. Donc nous sommes actuellement en train de faire les travaux de herbicidage et insecticidage. On dit ça, non? Ça, c'est dit. Ok. Donc on a une équipe qui fait les travaux d'entretien dans le saclage. Mais ici, on utilise les herbicides sélectifs. Donc, il y a une autre équipe qui utilise les insecticides parce que on a eu des chenilles, des attaques de chenilles là. Les chenilles légionnaires, voilà. Donc, et il faut qu'on réponde rapidement parce que sinon, on risque de perdre une bonne quantité de notre récolte. Donc, là, c'est les travaux que les hommes font. Et quand ils le font, ils ont un pulvérisateur au dos et ils travaillent avec. Bon, petite parenthèse, en ce qui concerne les pulvérisateurs, c'est ça, non? Oui. Voilà. Je me rassure toujours. Parce qu'il y a une différence entre un pulvérisateur et un pulvériseur. Le pulvérisateur, c'est ce qu'on met au dos pour travailler avec. Et le pulvériseur, c'est ce qu'on met derrière un tracteur. Donc, il ne faut pas confondre les deux là. Maintenant, donc je disais que les hommes, eux, ils mettent plutôt les pulvérisateurs au dos et ils travaillent avec. Et jusqu'ici, on a eu à utiliser deux pulvérisateurs, les manuels, déjà qu'on secoue avec la main là, et les chargeables. Mais ces derniers temps, si on a eu un souci avec le chargeable, c'est que les pièces de rechange n'étaient plus très disponibles. Vous-même, vous connectez avec la crise de Covid qu'il y a eu, ou c'est de la Covid, bref. Avec la crise sanitaire qu'on a eu, les importations ne sont plus assez évidentes. Donc, ce qui fait que les entreprises qui importaient les pièces de rechange de ces pulvérisateurs-là ne le font plus. Donc, du coup, on a fait un retour au pulvérisateur manuel. Et heureusement, on avait toujours les deux au champ, le manuel et l'électrique. Parce qu'il faut aussi dire qu'en ce qui concerne l'électrique, regarde ce que le soleil vient nous faire là. Bon, là, on vient de changer de cadre. Donc, je disais qu'en ce qui concerne le pulvérisateur électrique, on avait aussi des soucis parce que parfois, c'est le groupe électrogène qui ne fonctionnait pas bien au champ. Et on est dans une ville au Cameroun où parfois, on coupe la lumière, ça fait même une semaine. Donc, on ne pouvait pas compter uniquement sur notre fournisseur d'électricité pour alimenter ces pulvérisateurs-là. Donc, c'est ça que les hommes utilisent pour faire les travaux d'entretien ici. Donc, saclage et insecticidage. Donc, voilà, on continue notre marche et disons, on n'a pas une bonne position par rapport au soleil là parce que là, tout est devenu noir. Mais bon, on va arriver à un endroit où l'éclairage est un peu plus adapté et on va continuer. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de dire que actuellement, on fait ces travaux-là et nous avons pris une équipe en renfort pour nous aider. Donc, une minute. On va voir si on peut arranger les choses là. Ok. Donc, je disais que nous avons pris une équipe en renfort pour venir nous aider ici. Et on les paye par hectare. Donc, l'hectare, c'est... On a négocié combien? Voilà, 10 000 francs l'hectare pour les travaux d'entretien. Ce qu'il faut noter sur ça, c'est que ces travaux sont notés pas le jour où ils ont fait, mais peut-être une semaine après. Parce que on a deux raisons. La première, c'est que ces gars peuvent être des malins. Donc, ils disent qu'ils sont en train de travailler. Pourtant, ils ne sont réellement pas en train de travailler. Donc, quand on met les produits sur les herbes, généralement, après 5 jours, il faut qu'on voie une nette différence.
Donc c'est la raison pour laquelle on les paie après 5 jours. Donc l'autre raison aussi, c'est que quand vous voyez un champ qui est relativement moyen comme celui-ci, il y a de fortes chances que même s'ils sont très engagés, ils peuvent sauter certaines parcelles. Donc ça fait qu'après 5 jours, on peut voir les parcelles qu'ils ont sautées et on les demande de corriger avant qu'on ne puisse les verser l'argent. Donc voilà un peu, c'est la raison pour laquelle nous faisons généralement ces tours de propriété là. Et il faut aussi noter que généralement quand j'arrive ici, je préfère faire ce tour de propriétaire très tôt le matin et très tard le soir. Parce que le matin, c'est assez frais. Je peux faire presque le tour du champ sans être très 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 fatigué. Et généralement quand il est 9h30, 10h, je peux rentrer au campus. Là maintenant, je peux facilement regarder les activités d'élevage et tout ça. Et aussi, je me mets à ma lecture parce que je vous ai dit, les leaders sont les lecteurs. Ceux qui ne lisent pas vont finir pauvres. Donc, si vous voulez accomplir de grandes choses, il faut lire. Laissez l'histoire de nos parents à l'époque qui disaient qu'ils ont vendu les arachides, après ils sont devenus riches là. Nous sommes dans un monde où les choses ont vraiment changé. Donc, quand j'arrive, je vais dire quoi, au niveau de la base vie, je lis généralement. Et avec tout le calme possible qu'il y a ici, c'est l'une des meilleures activités que vous pouviez faire. Donc, parfois après la lecture, je peux faire les cours avec les étudiants. Parce que ici aussi, c'est le campus d'Agribusiness Academy et je suis enseignant de leadership. Parce qu'on ne forme pas que les techniciens en agriculture, on forme aussi les leaders. Il faut quand ils arrivent dans leur exploitation, que même si vous le promoteur, vous n'avez pas le sens de la grandeur du leadership. Que les gars vous disent non, boss, il faut qu'on fasse les choses bien et qu'on fasse les choses grand. Parce qu'on a passé le temps à former juste des techniciens, mais on ne les a pas mis le mindset qu'il faut pour réussir dans la vie et dans les différentes activités. Donc, entre autres, je suis formateur en leadership ici. Donc, voilà ce que je fais généralement en milieu de journée. Et parfois, je profite aussi pour faire des vidéos comme celle-ci. Parce que généralement, en plein midi, là, il fait très, très chaud. Et ce n'est pas très évident de faire une vidéo en nature. Mais en soirée comme ça, on peut dire que les choses sont quand même assez... Les choses sont fraîches. Donc, je peux faire une vidéo sans trop de contraintes. Alors, avant de continuer, laissez-moi vous dire, nous organisons ici du 28 juin au 3 juillet une semaine de bootcamp. Donc, la nature que vous voyez derrière vous là, vous l'aurez pendant une semaine, sans compter les travaux encore, sans compter les travaux pratiques d'élevage qu'on aura à faire en aviculture, en porciculture, en pisciculture, culture maraîchère. Bref, ce sera une semaine d'immersion totale dans le monde agricole. Donc, et Bertrand ne pourra pas manquer un événement comme ça. Donc, parce que c'est, je veux dire quoi, il aime déjà plus célèbre que moi parce que quand les gars arrivent ici, la première personne qui demande de savoir c'est Bertrand. Donc c'est l'un des meilleurs de son domaine dans ce qu'il fait. Il sera formateur, je crois, en porciculture. Voilà. Donc on aura d'autres formateurs aussi dans les autres différents modules. Et cette année, comme l'année passée, on aura deux invités spéciaux. Ce seront les gens qui ont réussi dans leur domaine d'activité. Il y en a qui est très célèbre sur les réseaux sociaux et qui lui aussi fait dans l'agriculture, production et transformation. Et on aura un autre qui est un leader dans son domaine, il fait dans la production des poussins d'un jour. Il sera aussi là pendant ce bootcamp. Donc, si vous êtes intéressé, nous allons laisser le lien d'inscription en description pour que vous puissiez vous inscrire. Donc, après maintenant le bootcamp des adultes, parce que celui dont je vous parle là, c'est celui des adultes, on a une semaine après celui des adolescents, pour les enfants de 12 à 20 ans. Parce que nous avons compris que pour former l'Afrique de demain, c'est à partir des tout petits. Et j'aime bien voir les documentaires asiatiques sur comment est-ce qu'ils forment leurs enfants là-bas. C'est dès le bas âge qu'on les inculque les valeurs et ce qu'ils doivent faire dans l'avenir. Or, nous, dès le bas âge, on nous a toujours fait croire que l'agriculture, c'est pour les gars qui ont raté leur vie et tout ça. C'est pour ça que les parents disaient d'ailleurs, va à l'école, fréquente et les bonnes notes, sinon tu vas finir au champ. Donc, mais nous sommes de la génération qui montrons que
sans l'agriculture, on ne peut pas faire des grandes choses, on ne peut pas développer une nation. Donc, il est question pendant ces 3 jours, parce que pour les enfants, ce n'est pas une semaine, c'est juste 3 jours. Il est question pendant ce moment de les enseigner le potentiel agricole qu'il y a en Afrique. Et ce sont les choses qu'on ne dit pas généralement à la télévision. Donc, ils auront l'occasion de visiter une exploitation mécanisée, parce qu'il faut qu'on les montre aussi que l'agriculture, ça peut être quelque chose de bien. On va les montrer des fermes d'élevage qui répondent aux normes. Bref, ce sera 3 jours pendant lesquels vos tout-petits vont vraiment, vraiment s'évader. Et ceux qui sont souvent en ville, qui mangent le poulet, certains n'ont même pas, n'ont même jamais vu comment est-ce qu'on élève un poulet ou un porc. Donc, ils auront l'occasion de le faire. Moi, mon petit garçon, mon premier, il est tellement éveillé. Quand je viens ici avec lui, la première des choses, il dit, papa, on peut avoir les porcs. Je pense que après papa et maman, c'est le porc qui a commencé à prononcer comme mot. Donc pourquoi? Parce que je viens ici avec lui, on a eu à récolter les tomates ensemble, on a eu à voir les poulets. Il aime bien aussi poursuivre les chèvres. Donc c'est les activités comme ça qu'on fera pendant ces 3 jours avec les tout-petits. Donc et nous allons aussi laisser le lien d'inscription pour ce bootcamp en description. Donc nous avons 2 bootcamps, celui des adultes et celui des ados. Donc, généralement, comme je vous ai donc dit, en milieu de journée, je fais les activités intellectuelles parce qu'il faut que je réfléchisse. C'est vrai, les collaborateurs sont parfois en train de travailler sur le terrain, mais il faut que j'essaie de m'asseoir pour dire est-ce qu'ils ont bien fait ceci, puisque quand je fais mon tour le matin, c'est pour m'asseoir et savoir si les choses ont été bien faites. Et pensez même au devenir de l'entreprise, que l'entreprise que je gère dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que ça devient? Donc pour moi, c'est le moment de réfléchir. Et généralement, à 16h ou 17h comme maintenant, je refais encore le deuxième tour de propriétaire. Là, ça me permet de vraiment clôturer. Et comme le laboureur dit, de ne laisser aucune place où la main ne passe et repasse. Mais ici, ce sont plutôt mes yeux parce que il faut que je vérifie bien que le travail a été fait. Donc, si vous avez une exploitation agricole, faites ce travail de routine là, ça va vous aider de bien contrôler vos activités. Mais aussi, n'oubliez pas, c'est très important, parfois quand les collaborateurs travaillent, ne faites pas seulement les tours quand ils ne sont pas encore là. Donc lors des récoltes ou de n'importe quel travaux, faites souvent ces travaux là avec eux. Donc venez au milieu d'eux pendant qu'ils sont dans leurs commentaires, travaillez avec eux, écoutez ce qu'ils ont à dire. Donc même s'ils portent souvent le pulvérisateur, faites souvent l'effort même d'emporter pour qu'ils puissent comprendre qu'en fait le travail qu'ils font, vous aussi vous pouvez le faire, et que c'est juste qu'il faut que vous vous concentrez sur les choses qui sont beaucoup plus intéressantes, que vous ne le fassiez pas. Donc même si vous avez des porcheries ou des poulaillers, aidez-les souvent à nettoyer, aidez-les souvent à nourrir ces différents animaux là, et là ils vont finalement ils vont finalement comprendre qu'en fait vous êtes un peu avec eux. Donc ne soyez pas le genre de patron qui arrive dans son exploitation agricole, il reste à distance, il dit, ah, c'est quoi là-bas? Est-ce que vous avez bien fait ici? Est-ce que vous avez bien fait là-bas? Non, c'est que vous êtes cuit. Donc, il faut souvent mettre la main à la pâte. Et je vous assure, c'est parfois pendant ces moments-là que vos collaborateurs vous disent les vérités. Vous allez voir, pendant que une fois j'ai nourri les porcs avec le petit qui travaille là-bas, c'est pendant que tu nourris qu'il te raconte ses problèmes. Et puis même les choses qu'il ne pouvait pas te dire, parce que parfois on est dans un environnement un peu trop carré. Quand vous êtes ensemble, vous vous amusez, vous blaguez un peu, il se permet quand même de te dire des choses qu'il n'aurait pas pu te dire dans certaines circonstances. Et là, ça permet que tu comprennes aussi tes collaborateurs. Et parfois, tu lui poses des questions même sur ses autres collaborateurs. Comment tu penses? Qu'est-ce que tu penses de celui-ci ou de celui-là? Et là, vraiment, pour moi, c'est l'un des meilleurs moyens de pouvoir tirer même les informations auprès des collaborateurs. Champignons. Donc, les champignons. Bravo. Je ne sais pas comment on va filmer ça. Ok. J'espère qu'on va trouver assez pour pouvoir se faire une soupe avec le soir. Ok. C'est vrai que c'est déjà quand même un peu. C'est déjà touché, non? Oui. Gardez quand même, si devant on voit quelque chose, on complète avec. Si on ne voit pas, attends, mais voilà encore l'eau de là-bas. Donc, c'est aussi ça, j'appelle souvent ça article 2, avantage de service. Donc,
Voilà. Si on trouve un nombre assez intéressant, on va se faire naturel. Ouais, on va se faire la soupe le soir avec. Donc voilà ce que j'avais préparé pour vous dans cette vidéo qui n'était presque pas préparée. Donc j'espère que cela va vous aider à mieux vous comporter dans vos différentes exploitations agricoles, on montre comme ça, et que cela va même augmenter la productivité de vos différents collaborateurs. Donc si vous avez d'autres questions en ce qui concerne la gestion de vos exploitations ou toute autre question, vraiment, mettez-les en commentaire. S'il y a même des thématiques que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos, vraiment, mettez-les en commentaire. Vous savez, parfois j'ai l'impression d'avoir tout dit alors que je n'ai encore rien dit. Et parfois j'ai l'impression de ne rien dire alors que peut-être j'ai déjà dit beaucoup. Et vous savez que c'est vous qui m'inspirez autant que je vous inspire aussi. Donc, mettez-moi, s'il vous plaît, les questions ou encore les thèmes sur lesquels vous aimeriez que je parle dans les prochaines vidéos. Donc, maintenant, on les dit rendez-vous au sommet, non? C'est ça. Ok. C'est ça. Rendez-vous au sommet, les gars.